re-YouTube. Suite de nos aventures sur Lost Judgment. La hype. Le scénario. Le résumé. 今から13年前、楠本光が校舎を飛び降りたのを機に桑名の人生は決定づけられた。彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても 事態が予測不能となったことを示していた。Et on avance. On avance. と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分、つけにしといたからさ。すぐ払う時が来る。震えながら待ってな。 お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう。 一通り説明もしといた。支度ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた？白崎先生。<笑>桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけ？ねえ、八神さん。別に言って。実際 肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ白崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら？ん？ そうか。みんな揃ったら電話するよ。ああ、俺もそれで構わねえぞ。そういや東、神室町で何か変わった様子は？RKの連中はどうしてる？ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちの門が言ってた。頭の走馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。 あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ。怪盗の兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ。人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？じゃあ<笑> 人として取らなきゃならねえ。敵討ちだ。うん？いや、モーラルか。全然違う方向に行ってるけど。とにかく俺は極道を辞めても人間辞めたわけじゃねえ。人としての筋を通す。はいはい。人間そう簡単に変わるもんじゃないね。 Puisque je suis dehors, autant en profiter pour jeter un œil à la ville. Je vais tuer le temps quelque part. Ah. Ah. Alors peut-être. Alors peut-être. Bon.
Alors. Alors ça c'est fait. Non mais what? Mais vraiment? Nanda, kono e wa. Et je suis passé devant sans m'en rendre compte. C'est terrible. Mais genre, ils peuvent être aussi fat comme ça? Parce que moi, à chaque fois, je cherche un... Je cherche un truc petit. Pas de taille standard, quoi. Et lui, il est énorme. Ah ouais, donc ça se trouve, on est passé devant plein d'écureuils. Faudrait que je retourne à l'agence. Non, parce que tuer le temps en ville, c'est bien, mais... Je pourrais essayer de retourner au bartender. Donc l'entrée, elle était là. Pour voir si y a pas une quête qui s'active avec l'autre, là. Bon, on va à l'agence juste pour voir si on n'a pas une quête. En rab. Petite quête secondaire là, ça fait longtemps. Moshi, Yagami-san. Sugiura. Ah. Shirosaki-sensei tachi ga Sharuru ni tsuita yo. Namiya-san e no jijou choushu no junbi shiteru. Wakatta. Sorosoro modoru yo. D'accord. Donc en fait, ouais. OK, c'était juste un prétexte pour me faire partir. D'accord. C'était juste un prétexte pour me faire partir le temps que les PNJ pop au bon endroit. C'était donc ça? L'arnaque? Bon, j'ai quand même envie de gambader pour voir si on a de la quête. Parce que bon, généralement quand le jeu nous lâche un peu la bride comme ça, c'est que... y a un truc à faire. Nouveau mot-clé, harceleur. Ouais, non mais alors attendez, vous me faites rire là, avec vos mots-clés là. Et là je l'ai. Ok, bon, on a une quête. Bon, on a une quête. Non mais attendez, la dernière fois on avait des mots-clés et ils y étaient pas. En fait, faut peut-être utiliser le mot-clé quand on est dans le spot. De là où on a pris l'info. Peut-être. Ça veut dire qu'il faut que je refasse tout. Et oui, parce que mine de rien, il y a beaucoup de quêtes secondaires à la con qu'on n'a pas fait, hein. Faudrait que je ratisse tout. Dans le doute. Mais j'ai clairement la flemme. Ouais, j'ai clairement la flemme. Mais faut le faire. En fait, je pense qu'il faut utiliser les mots. Attends, mais là, il parlait de Saori, là. Je suis en train de tiquer. Dangereux, descendez-le là. Quoi?
Qu'est-ce que vous faites si haut? Choléra. Mais vraiment? Eh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est peut-être notre fameux harceleur. Ah non. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, vous êtes policier? Non, je ne suis pas policier. Je suis là parce qu'on parle de vous sur Chatter. On parle de moi sur Chatter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et si vous descendiez pour qu'on en discute tranquillement? Si vous n'êtes pas policier, qui êtes-vous? Allez, par vous-même. Vous êtes détective? Oui. On parle beaucoup d'un certain harceleur sur les réseaux sociaux. Alors je voulais en avoir le cœur net. Attendez deux secondes. Désolé, je sentais le hachoum, il fallait que je me mouche. On m'a pris pour un harceleur? Oh mince! Bah alors, qu'est-ce que vous faites là-haut toute la journée? Je suis le propriétaire de cet immeuble, là-bas. Mon nom est Daichi Kiba. Oh. Vous avez une preuve de ce que vous avancez? Bien sûr, voilà. C'est moi sur la page d'accueil, vous voyez? Bon, je vous crois. Alors, vous surveillez votre propre immeuble, mais pourquoi? Eh bien, c'est un peu compliqué, mais je crois que quelqu'un s'introduit par effraction dans ma propriété. Et ce cambrioleur est invisible. Ah! Un cambrioleur invisible? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais l'interroger. Bon, d'accord. Monsieur Kiba, je pourrais peut-être vous aider en qualité de détective. Pourriez-vous m'en dire plus sur le cambrioleur invisible que vous essayez d'attraper? Je ne sais pas, ça coûte cher d'engager un détective, non? Je ne pourrais pas vous payer grand-chose. Yeah. Vous inquiétez pas, c'est gratuit. Ça m'intrigue suffisamment pour le faire à titre gracieux. Mais si je résous cette affaire, vous devriez songer à nous embaucher à l'avenir, ok? C'est une offre raisonnable, j'accepte. Je devrais demander plus d'informations, monsieur Kiba. Comme je vous l'ai dit, c'est mon immeuble. Et un étage entier est loué à une société. C'est là que les vols ont eu lieu. Qu'est-ce qui a été volé exactement? De l'argent a progressivement disparu du coffre, et des employés se sont fait voler leur portefeuille. Des casse-croûtes sont même mystérieusement volatilisées dans le frigo. Alors plusieurs choses ont été volées au fil du temps. C'est étrange. Vous avez un suspect? Eh bien, le PDG est persuadé que c'est une personne extérieure à l'entreprise. Je pense qu'il n'aime pas l'idée que ça puisse être l'un de ses employés. Bien sûr, c'est compréhensible. Votre locataire a tout lieu d'être inquiet, mais pourquoi monter la garde vous-même? Parce que je garantis personnellement la sécurité de mon immeuble à mes locataires. Et avec toutes ces infractions, je commence à recevoir des plaintes. Alors vous passez vos journées à surveiller l'immeuble dans l'espoir d'attraper le cambrioleur vous-même? Eh bien, pour tout vous dire, j'ai seulement commencé ce matin, les rumeurs vont vite. Vous croyez encore que c'était une bonne idée de garantir la sécurité de l'immeuble? Bien sûr! Si quelqu'un avait essayé d'entrer par infraction, le système de sécurité serait déclenché. J'ai même des caméras de sécurité dans les couloirs, mais je n'ai vu passer aucun inconnu. Dans ce cas, c'est peut-être effectivement un employé. Peut-être. Mais l'un des incidents a eu lieu pendant que les employés étaient en réunion, et tous leurs portefeuilles ont été volés. Si c'est un employé, tous les portefeuilles n'auraient pas disparu, non? Eh bien, le voleur a peut-être caché son propre portefeuille pour éliminer les soupçons. C'est vrai, mais apparemment, les sacs de tous les employés ont été fouillés après le vol, et les portefeuilles ne sont pas réapparus. Quelqu'un aurait-il pu les faire sortir avant la fouille? J'en doute. Les caméras de sécurité auraient surpris un employé avec des portefeuilles pleins les mains. À vrai dire, personne n'apparaît sur les vidéos de surveillance entre le moment du vol et la fouille. Et tout l'étage a été fouillé sans succès. Je vois. Alors il y a peu de chances que le voleur soit un employé. C'est pour ça que vous dites que c'est un cambrioleur invisible? Parce que personne n'est apparu sur les vidéos? Oui. Je sais que ça semble ridicule. M'autorisez-vous à examiner l'étage en question, monsieur Kiba? À l'examiner? Vous pensez que ça vous aidera à attraper le voleur? Oui. Oui, ou du moins à trouver une piste. Très bien, je vais demander au locataire. Vous avez le feu vert. Il veut que vous meniez l'enquête. Ravi de l'apprendre. Oui. D'accord, deux secondes.
Mes excuses. Allez, on y va. Monsieur Sawurazaka, merci de nous autoriser à fouiller l'étage. Vous avez attrapé le cambrioleur, n'est-ce pas? Oui, monsieur Takayuki Yagami est un excellent détective. Il va résoudre notre mystère en rien de temps. Oh, un excellent détective, vous dites? Je ferai de mon mieux. Vous avez carte blanche. Faites ce que vous avez à faire. J'ai dit aux employés de prendre une pause. Merci. Puis-je vous demander de quoi cette société s'occupe? De crédit à la consommation. Il me semble qu'il y avait une autre société ici avant. Est-ce qu'ils ont changé de locataire? Alors vous devez avoir beaucoup d'argent liquide sur place. Oui, c'est sûrement ce qui a attiré le cambrioleur. D'ailleurs, de l'argent a déjà disparu du coffre plusieurs fois. Je suppose que le coffre est fermé et sécurisé. Bien sûr. Seuls les employés y ont accès. Pourtant, ils refusent de croire que le coupable est l'un d'entre eux, le mystère CP6. Ah non. Pouvez-vous me dire à quel moment précis frappe le cambrioleur? C'est toujours arrivé de nuit, après la fermeture, et, ou très tôt le matin. Et une fois quand tous les employés étaient en réunion. Où est la salle de conférence? Notre bureau est trop petit. Alors nous en avons loué une dans l'immeuble d'à côté. Intéressant. Alors le cambrioleur attaque de nuit, mais aussi quand le bureau est vide. Oui. D'ailleurs, c'est très étrange, car nous fermons toujours les portes et il y a des caméras de sécurité à chaque entrée. Y en a-t-il aussi dans la zone de travail? Non. J'y ai pensé, mais finalement, j'ai trouvé que ce ne serait pas très éthique de surveiller les employés. Je comprends. Bon, je vais jeter un œil, je vous tiens au courant. Alors, je suis désolé, hein, je parle du nez, mais au secours. Un cambrioleur invisible, hein. Bon. Des déchets alimentaires. Quoi? Encore? Je n'arrête pas de dire aux employés de mettre leurs ordures à la poubelle. Ah bon? Ça arrive souvent? De plus en plus. Je crois qu'il y a quelques souillons dans l'eau. Mais vous ignorez qui? Ayashina. Une bombe insecticide? C'est le genre qui libère de la fumée, non? Oui, malheureusement, le grenier est infesté de cafards. Ces bestioles sont énormes. Je voulais traiter le bureau en l'absence de mes employés, mais j'ai complètement oublié. Les employés doivent évidemment être absents pendant la fumigation. Oui, ces trucs libèrent beaucoup de fumée. J'ai l'intention de m'en occuper bientôt, mais nous avons été tellement occupés ces derniers temps. C'était jamais le bon moment. Les cafards ne font pas les meilleurs collègues. C'est sacrément bruyant. Ça a même l'air très gros. Je ne pense pas que des cafards puissent faire un raffut pareil. Oui, d'ailleurs, il y a une trace de main sur la trappe. Hein. Juste. Quoi? Foutez de ma gueule. J'ai vu une trace de main. Mais. J'ai vu une trace de main, là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une trace de main? Qui a bien pu monter ici? Quelque chose ne va pas, monsieur Agami? Monsieur Sakurazaka, regardez la trappe de visite au plafond. Il y a des traces de main dessus. Incroyable. Ça fait froid dans le dos. M'autorise à l'ouvrir? Oui, allez-y. Très bien. Bon. Impossible de l'ouvrir. Quelque chose est peut-être coincé à l'intérieur. Bizarre. Un réparateur l'a ouvert il n'y a pas si longtemps. Ce bruit. J'ignore s'il vient d'un rat ou d'un cafard, mais il doit être énorme. Peut-être temps de me servir de ce gadget. C'est quoi ce bruit? Le ventre d'un rat qui gargouille? Non, impossible. Ça veut dire que... c'est bon. Non mais attends. C'est de ma gueule là. Rien du tout.
D'accord, donc j'ai dû louper des trucs. Ok, d'accord. Bon. D'accord. Ouais. Un katana? Oh, c'est une de mes passions. Ça prend pour un yakuza ou quoi? C'est un vrai? Bien sûr. Il m'a coûté un bras et une jambe à la boutique d'occasion. Alors il vaut très cher et pourtant il n'a pas été volé. Bien vu. J'y avais jamais pensé. Il aurait rapporté un petit pactole à la boutique d'occasion. Alors pourquoi n'a-t-il pas été volé? Ouais. Ouais, donc là ça marche toujours pas. Ok, donc on se retape la même cinématique. Ouais. Mais on peut pas essayer d'ouvrir une autre trappe? Chips partout là. Mais au secours. Ouais, ok. Je crois. J'ai toutes les preuves qu'il me faut. Je crois que j'ai compris. Les déchets alimentaires par terre. Les restes et les desserts des employés qui disparaissent. La trappe mystérieuse coincée. Les bruits étranges dans le grenier. Le katana précieux auquel on n'a pas touché. Je crois que je sais qui est le cambrioleur invisible. Ah non. Monsieur Sakurazaka, monsieur Kiba, je sais qui est le coupable. Vraiment? Oh alors, qui est notre cambrioleur invisible? Oui. Le cambrioleur invisible est... Le coupable est toujours dans le plafond en ce moment même. Hein? Maintenant? Oui. Oui, écoutez. Qu'on écoute? C'est quoi ça? C'est bruit? Je croyais que c'était juste un gros cafard. C'est très gros pour être un cafard. Je pense que le cambrioleur vit dans votre grenier. Le cambrioleur vit ici? Oui. Tout à fait. Voilà pourquoi on ne l'a pas vu sortir et pourquoi il n'apparaît jamais sur les caméras. Je parie qu'il a emporté l'argent et les portefeuilles dans le grenier. Et il a juste laissé le katana car il ne pouvait pas monter avec. Comment ça? Bien, il aurait eu du mal à le faire passer par la trappe. Et si le plafond du grenier est bas, je ne suis même pas sûr qu'il y rentre. Oh oui, ça semble logique. Quant à la nourriture, j'imagine que le cambrioleur pille le frigo quand il a faim. D'ailleurs, il utilise aussi sûrement les toilettes de l'étage, comme n'importe quel locataire. Sans alors, le cambrioleur était là même... Quand on travaillait? Oui. Ouais. Il doit être vraiment silencieux si vous ne l'avez jamais remarqué. Pour ce qui est de son identité, eh bien, pourquoi ne pas le faire sortir de sa cachette pour nous le dire? Le faire sortir de sa cachette? Mais comment? J'ai quelques idées. On pourrait peut-être utiliser ceci. Le katana. Utilisons ça pour l'enfumer. La bombe insecticide? Oh, bonne idée! Oui. Tous les employés sont sortis, profitons-en. Débarrassons-nous de ce cafard géant. Il est écrit que ce n'est pas toxique pour les humains. Au moins, on est sûr que ça ne le tuera pas. J'ai hâte de voir ça. C'est quoi cette fumée? Bon sang. Mataku. Comme promis, on a enfumé un cafard géant. Hé, attendez! Mita, c'est toi? Bonjour, monsieur. Vous connaissez? Oui,
Cet homme est gros mita. Je l'ai renvoyé il y a environ 6 mois. Et renvoyé? Alors il travaillait ici? Mita, j'exige une explication. Pourquoi vivais-tu dans le grenier? Parce que... Après mon licenciement, je ne pouvais plus payer mon loyer et je ne voulais pas me faire harceler par les agents de mon couvrement. Tu es sérieux? Vous vivez ici depuis 6 mois? Oui. Le soir de mon licenciement, j'ai décidé de rester ici et de ne plus jamais quitter le bureau. Comme ça, les agents de recouvrement ne peuvent pas me retrouver. Je peux manger ce qu'il y a dans le frigo et je profite du chauffage. J'en crois pas mes oreilles. Donc vous n'êtes jamais entré par effraction, car techniquement, vous n'êtes jamais sorti du bureau, c'est ça? C'est pour ça que les caméras n'ont rien vu et que l'arme ne s'est jamais déclenchée. Je comprends mieux. Notre système de sécurité est excellent, mais il ne peut rien faire s'il n'y a pas d'effraction. Ah. C'est aussi vous qui voyez les portefeuilles et l'argent du coffre? Tu connaissais le mot de passe, n'est-ce pas? Ouais. Et à propos, où est l'argent? Au grenier. Je ne pouvais pas le sortir d'ici, car je savais que les caméras me filmeraient. Rends-moi l'argent immédiatement. Je veux vérifier qu'il ne manque rien. Oui, monsieur. Vous avez compté l'argent, monsieur Sakurazaka? Oui, tout est là. J'ai aussi trouvé les portefeuilles des employés. Ravi de l'apprendre. Et maintenant? Vous voulez que j'appelle la police? Non. Il nous a rendu l'argent, inutile d'appeler la police. Quant à son licenciement, c'était une décision économique. Il n'avait rien fait de mal. Je me sentais déjà coupable. Quoi? Oh. Très bien. À vous de voir, monsieur Sakurazaka. Merci de ne pas avoir prévenu la police, monsieur. Je suis désolé. Mita, quand la société a été obligée de dégraisser, je ne t'ai pas choisi au hasard. Je t'ai renvoyé car j'étais sûr que tu trouverais un autre poste ailleurs. Tu es jeune et tu as un grand potentiel. Un grand potentiel? Moi? Mais j'arrêtais pas de faire des erreurs. Parce que tu travaillais pour 3. Quelques erreurs étaient inévitables. Vous pensez vraiment? Oui. Mais ça ne change rien au fait que toi et la société avaient agi de façon égoïste. Ça ne doit pas être facile à entendre de la part de l'homme qui t'a renvoyé, mais... Je peux remettre ta vie sur les rails, j'en suis sûr. Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux. Putain, c'est beau. Merci infiniment, monsieur Yagami. Je suis ravi que cette affaire soit résolue. C'était une sacrée surprise. Je n'aurais jamais imaginé qu'un ancien employé décide de rester vivre dans le grenier après avoir été renvoyé. Je crois que je ne l'aurais jamais remarqué. C'était pas grand-chose, mais voici un gage de ma gratitude. Merci. Bon, je ferai mieux de filer. Notre agence est toujours à la recherche de nouvelles affaires, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez encore besoin d'aide, et abonnez-vous. Bien sûr, et je vais parler du grand détective Takayuki Yagami à tous mes amis. Pouette. Bah c'est cool. Par contre, faut vraiment que je scrute tous les endroits de conversation. Donc ça, c'était... oui. Bon, ça, on l'avait vu, ok. Je veux voir tous les endroits de conversation. Je suis désolé, ça va prendre du temps, mais il y a moyen que... qu'on fasse plein de quêtes. Nouveau mot-clé, aquarium. Et oui, et là, c'est un mot-clé qu'on n'a pas. C'est un mot-clé violet. Non, mais j'en ai marre. On débloque des mots-clés, mais ça sert à rien. On doit leur péter la gueule. Yeah.
suis au bout de ma vie. Bon. C'est tout? Personne d'autre qui parle là? En vrai, on va tous les faire. Hein. On va tous les faire. Je me tâte même à retourner à... Non mais ça suffit. Non mais déjà, si on les fait tous à Kamurocho, c'est bien. Même s'il y en a beaucoup... En vrai... Ouais, on fait un petit break sur le scénario parce que bon là ça fait je sais pas combien d'épisodes, on ne fait que ça. Et ça me frustre un peu. Quoi? Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Il était minuscule. Non mais vraiment. Il était minuscule et bien planqué. Ok, donc là en fait maintenant on a l'info que les écureuils peuvent être de plusieurs tailles différentes et planqués à des endroits très bizarres. C'est pas ici qu'on avait débloqué un mot à la con. Régime. Eh oui, mais c'est un mot-clé violet. Donc régime, on l'aura pas. Parce que en haut, il y a écrit sélectionner un mot-clé à filtrer, mais on peut pas y accéder. Alors ça servira peut-être plus tard, j'en sais rien, hein, mais ça me trigger. Après c'est pareil, je devrais vraiment essayer d'aller à tous les endroits possibles indiqués via chatter. Ben oui, j'ai vu des caméramans à tel endroit, machin. Parce que oui, on avait la quête avec le fameux tournage du film. Mais ça se trouve. Suffit.
しばらく寝とけっての。Ah non, mais maintenant, maintenant je capote de savoir où sont les écureuils de ces morts. Enfin, déjà avant je capotais, mais alors là encore plus. Maintenant qu'on sait qu'ils peuvent être tout petits ou très gros. Merde. Ouais, pendant ce temps-là, j'écoute pas les conversations, c'est chiant. Allez! Là. Putain, j'ai une de ces dalles là. Ah, j'avoue, là, j'ai une de ces dalles. C'est terrible. Une soupe avec du riz, doit être spice. Pas très intéressant ce qu'ils disent, hein.
Ouais, ouais, ouais. Bon, ça c'est bon, on va aller là. Oh non, mais là, imaginez les écureuils de ces morts. J'ai faim. J'ai la dalle. Itadakimasu. J'ai trop la dalle. Et là, il y a une scène là, il y a pas moyen de faire un truc. Super photo, mots clés. C'est bien, hein? On débloque des mots clés, mais ça ne sert à rien. Non, non, mais. D'accord. Vraiment. Vraiment. Bon, il n'y a personne d'autre qui parle ici. Bon, après, il manque ça. Il nous en manque plus beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Ah, le petit, petit écureuil planqué dans le Sega. Oh, les lourds. Les relous. J'ai pas le temps. Le style de la grue est vraiment efficace maintenant, c'est cool. C'est très cool. Oui, et donc ? Ah, mais c'est relou. Oh.
しばらく寝とけっての。Ah, c'est frustrant hein, parce que Oh, le mazemen épicé là. Itadakimasu kore. Gochisou sama. Arigatou gozaimasu. Y'a pas un écureuil là-dedans là ? Petit écureuil. Bon là par contre c'est sûr il y en a un. La nana du cabaret. Ah c'était Saori aussi. Il parle de Saori hein. Ça parle de Saori. Y'a pas d'autres conversations? Y'a que ces deux là? Peut-être eux? Accessoire mignon. C'est pas passionnant ce qu'on fait hein. Même moi je me fais un peu chier mais je sais pas. Je sais pas si c'est important de le faire ou si je perds mon temps. Je sais pas, on nous avait dit quand même que ouais fallait scruter ces endroits justement pour éventuellement débloquer des quêtes. Le problème c'est que la moitié de ce qu'on débloque ça sert à rien. Je commence à douter. Y'a pas d'écureuil là-dedans, vraiment? C'est curieux, ça, par contre. Alors là, y'a le... Ah, si. Eh, 20 sur 56 hein. Attendez, par contre on peut regarder aussi dans le café juste à côté. Ou même là d'ailleurs. C'est possible aussi. Ah, c'est peut-être un endroit. Il y a des endroits vicelards, c'est sûr, on en a vu. Ah. Ah, je peux faire ça? Ah non, on pouvait pas faire ça. D'accord. Bon, ça c'est fait. Alors, ensuite, on va ici, et ensuite, on les a tous vus. Hein. Ouais. Let's go. 20 sur 56 écureuils. Je commence à retrouver de l'espoir. Même si, je vous avoue, que si je le fais sans assist, ça peut être long. Donc on le fera pas ensemble. Parce qu'on a autre chose à faire.
Bon. Et ben voilà, c'était pas concluant du tout. Mais au moins on a trouvé des écureuils. Et ça c'est cool. Yoshi yoshi. Yoshi yoshi. Kitana. Ok, bon, il y a des terres. Ok. Dekashitazo. Lentille de plaisir terrestre suprême. Ah non. Et ben voilà. Bon, j'ai traîné un peu, donc on va quand même retourner au Charles et ah non, je voulais retourner quand même à l'agence de détective voir s'il y avait une quête. Vas-y, on y va. Mais je pense que vu que j'ai traîné, qu'on n'a pas fait grand chose, on va pousser un peu l'épisode pour éventuellement continuer le scénario. On peut rentrer dans le club Sega. Pour voir s'il n'y a pas un petit écureuil de ces morts là. Oh là, moi il met des bornes d'art. Va falloir jouer à tout ça hein. Et même faire des scores je crois sur certains jeux. Tellement d'activités secondaires. Et c'est pas forcément des activités secondaires reloues. Pour moi, l'activité secondaire la plus relou, qui me fait déprimer, c'est le baseball, le batting center. Putain, hein, ils sont vraiment planqués en mode 10 là. Yoshi yoshi. Yoshi yoshi. Poubelle hein. Yoshi yoshi. Eraizo. Oh, un CD. Petit CD là. On pourrait même aller voir en haut, il me semble qu'on pouvait y accéder. Ah non. Ah si, il me semble qu'on pouvait y accéder en premier. Ah, toujours rien. C'est fou ça. C'est fou ça. Alors j'espère juste qu'il n'y a pas d'écureuil à spotter directement avec le drone. Parce que là c'est un scandale. On y retourne. Hein. Ah mais j'ai tellement envie de les chercher là, mais pas le temps. Tellement de possibilités. Tellement de possibilités. Et en fait, en courant, vraiment, on peut pas les voir. Hein. Enfin, y en a certains, on peut pas les voir en courant. Hein. Faut vraiment marcher, prendre le temps de regarder. Parce qu'il y en a des évidents qu'on a loupés et... Là, on les voit parce qu'on prend le temps, mais si on passait en courant, on verrait rien du tout. Hein. Genre là-dedans, c'est sûr qu'il y en a un. Dans cette ruelle bien planquée, là. Ouais. L'échelle, au secours. On peut pas les voir. Hein. Je suis assez confiant.
suis vraiment venu pour ça là? Attends, c'était pas là qu'il y avait le bar à chat? Enfin, le bar à chat. Mais si, c'est ça! Il était là le pote, avec ses chats. Je me rappelle, hein. Je m'en rappelle. Ouais, c'est de... Après, peut-être qu'on pourra y accéder quand on avancera dans la quête. De se faire les potes avec les chats là. Bon, bref. Non, attendez, parce que je crois qu'il parlait de loterie, eux. Non, pas du tout. Conserve. J'ai débloqué un mot-clé. Conserve. J'ai pas envie de crever, ça sert à rien. Oh mais les gars, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Ouais, l'épisode va être long, je pense que si on parle à Yui Mamiya, au secours. Mais bon, en même temps, je vous le dois bien là. Après vous avoir fait subir tout ça. Parce que en vrai, on aurait pu juste y aller directement. Bon, on n'aurait pas débloqué tous les mots-clés. Et là, il parle de quoi ? Muscles. Non mais vraiment, je suis vraiment en train de débloquer des mots stupides. Mais là c'est pareil, c'est sûr que dans ces ruelles à la con, il y a un écureuil. Non mais bordel. Ouais, le Shellac, c'était un endroit important ça, on faisait des quêtes. Yo mec, t'es pas un écureuil chez toi? Il a serré Marseille. Avec Valentine, 30 ans d'âge. Comment te dire? Je vais être boutrol. Itadakimasu. Gochisou sama. Arigato gozaimasu. Toi, tu ne sers qu'à ça donc, à vendre des bouteilles d'eau. Et on t'a mis là, dans le jeu. Ok, donc il y a un écureuil dans le coin. Parce que ça, c'est le 2. C'est-à-dire que le premier. Il doit être soit là. Attendez, j'ai pas assez de perspective comme ça.
Oh, ça va être comme l'écureuil chez Clodo. Non, c'est bon. Bon, du coup, on sait où c'est. ここだな。これが意味するのは。ビンはこれが意味するのは。お secours。よし、来たな。 Tu vas où? Dekashitazo. Écoutez, je suis satisfait d'avoir résolu ça. Pourquoi elle est... Fuck. Bizarre ça. Non, lui on l'a déjà eu. Putain, mais lui, maintenant je vais le voir tout le temps. C'est du génie. Qu'ils sont beaux. Eh mais c'est pas Non, je pense pas que ça soit eux. On dirait vraiment le vrai groupe là, je sais plus comment il s'appelle là. Non, plutôt eux d'ailleurs. Bon, bref, ils se ressemblent tous. Enfin, bon. Bon, interprétez ce que je viens de dire comme vous voulez, peu importe. Non, mais c'est vrai que les groupes d'AK-pop, ils se ressemblent tous. Faut arrêter les conneries. On dirait des mannequins, enfin des mannequins de cire quoi. Fin... Bon bref, nous allons continuer le scénario. Allez, let's go. On y va. J'y vais, j'assume. J'espère que ça va pas durer 1000 ans. ん?俺?源田先生まで?なんだよ。俺にやられちゃ迷惑か?まさか、そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織くんがコケにされたんだ。どんな相手か、面拝んでやろうと思ってな。何なの?こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから、 例の痴漢事件について、間宮さんから真相を伺っていきます。ああ。すると、改めて、沢先生のことはお気の毒でした。本当に。彼女は、桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でも、その追われてる理由がまだよくわかってない。そいつを探るには、桑名の行動を振り返ってみる必要がある。 ってことで、まずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。 さっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。 江原の痴漢事件は、神輿場殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか?はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ?
偉人町にいたのか、それとも都内の方に。さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ、江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を。この江原が実は桑名だったわけか。そう、先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、出なきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない。でも口元の感じとか全然違うよ。本当にこれ桑名さん。あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。はあはあ、 3D プリンターってのは。PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔もPC が形を読み取れば 3D プリントで精密に再現できます。うーん、私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら、 3D プリントさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど、目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いやすごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとして、まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね、私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか。Je devrais continuer à interroger Yui Mamiya au sujet de cette preuve pour faire toute la lumière sur l'agression. いいかな、これ。何なの？駅の地図？僕らで作った新宿駅の俯瞰図です。よくよく調べてみると、防犯カメラだらけのホームにわずかな死角がありました。前にみんなで検討してたんだ。もし江原が三越場殺しの犯人で、そのアリバイを駅で偽装してたとする。その場合、江原は自分そっくりの替え玉に痴漢をさせた後、この死角で入れ替わることができたんじゃないかって。当たってたかな。参りましたとでも言えばいいの。その通りよ、そっちの勝ち。もう十分でしょ。D'accord. Donc c'était pas ça. Et mais ça du coup. Pour les relever en fait. Tout était bien là, この映像。あっそ。この写真であんたの後ろに立ってるのは江原じゃなくて、そのふりをした桑名。ええ。しかも実際には痴漢もしてない。私に先生の指紋つけるわけにいかないから。妙なとこで苦労してたんだな。私じゃなくて先生がね。Ouais, donc c'était pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les empreintes. Ah oui, donc elle avait dit que, en fait, ceux qui l'ont attrapé étaient complices. Comment voir ça? この映像で取り押さえられたのは江原さん本人。替え玉をしてた先生は。この場面より前に人混みの中で江原さんとすり替わったの。そうだよな、こんなにバッチリ取り押さえられた後じゃもうすり替われない。グラサンも取られちゃってるし。ちなみに江原さんを転ばせたのも私たちの仲間、このスマホ動画を撮った人もね。もし誰も捕まえようとしなかったらこのまま逃げ切れちゃうでしょ。でも重要なのは江原さんが現行犯として大勢の前で捕まること。そうか、出ないとせっかくの殺しのアリバイが水の泡になる。ええ、要するにこの痴漢事件は
組織的で計画的、桜だらけの手品だったってことか。あんたはこれを見てどう思うんだ。やめてよ。なんで目をそらす。あんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど、この動画は誰がネットに上げた。先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう。先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし。だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う。桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を辱めるために痴漢の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね、先生と江原さんは。もう失うものがないから、私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない。はい、よく見てくれる。池袋の駅ホームね。それが何。桑名が江原の替え玉として痴漢してたなら、電車に乗る前に映ってるこの男も桑名だったってことだよな。そうね。もうその話は済んだんじゃなかった。やっぱり。え、バビ、バビ、forcément。Mais oui, mais les relevés, voilà, moi c'est les relevés. Depuis tout à l'heure, je suis trigger, mais j'avais pas fait gaffe que ça c'était le rapport. Mais oui, c'est ça, les relevés. Kaisatsuwa, Ehara o tsukamaeta ato, te no fuchakubutsu o shirabeteru. De, sono bibutsu kensa niyoru to, Ehara no te kara, Mamiya-san no shitagi to douitsu no senyi ga deta. Eh, chikan o kaedama ni sasete ta nara, Ehara-san wa Mamiya-san ni sawatte nai hazu desu.なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前、ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。はい。要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に提出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。D'accord. これなんてどうかな。これのどこにまだ疑問なことがあるの？ん？もうない？ホームを走ってくのは江原さんじゃなくて
そのふりをしてた先生でしょ。つまり？いえ、つまりも何も、今ので全てです。やはり江原さんはアリバイ偽装に替え玉を使っていたんです。その正体は、偉人町の便利屋で桑名仁。さっき間宮さんが詳しく説明してました。なるほど、そっか。うん、そうだよね。Hey, non mais moi je voulais plus de précisions sur le la permutation. いいかな、これ。何なの？事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう、星野くん。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越葉の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越葉を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだ、そんなこと。ん？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に。言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越葉が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か。八神さん、もういいんですか？ああ、十分だと思う。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴って言うと痴漢の裁判をやり直すってことですか？ええ、そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。はい、どうしたんです源田先生。Faut des vraies preuves。何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。え、en plus。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申し立ったって、江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。Mais vous pouvez pas demander à votre pote qui gère l'accusation aussi, la procureure, hein? 明日、拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ、今夜はもう解散？ああ。みんなお疲れさん。ゆっくり休んでくれ。Mais y a la pote là, la nana là, la procureure. Yo, Yagami. さっきの間宮ゆいってあの女、返しちまってよかったのかよ。ああ、なんで？そりゃだって何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろう。殺に突き出すとかしねえのか。うん、けど仕方ないんだよ。仕方ない？実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。え？そうなのか。三越葉以外の死体は見つかってないし、彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか、じゃあそれはいいとして、お前はここで何してんだ。みんなもう帰ったのに。なんだよ、冷たいな。帰れってこと？用が済んだなら帰れ。お友達じゃねえんだからよ。ああ、そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えや。最近暇してんだよ俺。お前が頭下げて協力してくれっつうんなら考えてやってもいい。
お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃうよ。ごちそうさん。いやお前、そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ。Demain, Saori et moi irons questionner Ehara, on en a fini pour aujourd'hui. Yes! Bon, et eh bien du coup, nous allons même nous arrêter là pour cet épisode. Tant pis, on fera le petit trajet la prochaine fois pour aller au... à l'agence de détective pour sûrement enchaîner le scénario, parce que je ne vois pas, à moins qu'on essaye de... qu'on tente de prendre le taxi pour voir si on a de la quête à Injincho. Ou éventuellement faire un tour de tous les espaces de conversation pour débloquer des mots-clés, peut-être des quêtes. Mais en fait, j'ai l'impression, clairement, que beaucoup de quêtes secondaires, et même les deux tâches de détective qui nous restent à faire, je pense que tout ça va être réservé au endgame. Ce qui est assez bizarre, d'ailleurs. Mais bon, j'aurai quand même grand plaisir à le faire quand même, même si le scénario principal est terminé. Car je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, il faut peut-être aussi avancer dans le lycée. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez avancé dans le lycée que du coup on n'a pas débloqué plein de petites quêtes secondaires, voire même les tâches de détective. Donc faut vraiment que j'y songe à avancer dans le lycée, c'est-à-dire tryharder la danse, c'est-à-dire avancer dans le club des mystères et sûrement les autres clubs à venir, et dont le club de boxe, et donc le fameux style de boxe qu'on n'a jamais utilisé. Parce que ça me gênait plus qu'autre chose, déjà de 1. Et de deux, il me semble qu'on a des quêtes liées à ça. On a des quêtes liées à ça, des entraînements, etc. Mais malheureusement, en fait, je pense que ça va tomber sur le endgame. À moins que là, je tryhard à mort toutes les activités au lycée. Peut-être que là, on pourrait les débloquer maintenant. Mais à mon avis, ça va être pour le endgame. Et c'est dommage, du coup. Parce que c'est rajouter une fonctionnalité qui, finalement, ne nous servira pas, vu que ce sera le endgame. Donc c'est triste. Mais bref. C'est comme ça. Des bisous YouTube et à très vite pour la suite de nos aventures. Et portez-vous bien.